Puisque tu ne fais aucun effort, tu es privé de défiler. Dans le cadre des Insolivres, la bibliothèque a organisé plusieurs activités, parmi lesquelles un concours de lecture. Chaque enfant devait lire 5 livres selon son âge et faire un dessin sur le livre qui lui avait le plus plu. Donc beaucoup d'enfants de Cattenom ont participé, soit en individuel, soit avec leur classe. Ainsi que la venue d'un artiste. Je suis illustrateur et auteur depuis déjà un bon petit moment. Depuis quelques années, je fais vraiment tout, c'est-à-dire texte et illustration de mes albums. Ça me procure beaucoup de liberté et c'est pour ça que je le fais. Et puis j'ai des albums qui sortent chez mes éditeurs. Les enfants de Cattenom ont bien écouté l'auteur et ont posé des questions sur son travail. Ils ont également pu l'admirer en train de dessiner. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient assez sympas, bien préparés et c'était agréable. Ils étaient sages et intéressés et intéressants. Je trouvais que ça s'est bien passé. Ça varie beaucoup d'une classe à l'autre. Ça varie, je pense, aussi en fonction de l'heure de la journée, surtout sur ces âges-là. Puis ça varie aussi en fonction du travail qui est fourni auparavant dans la classe. Mais là, je trouve que ça s'est particulièrement bien passé. Ils étaient vivants sans être agités. C'était bien, c'était très bien, très agréable. Dans certaines villes, des lectures insolites ont été réalisées en montgolfière ou en petit train pour la joie des petits et des grands. Quel que soit le lieu, quelle que soit sa position, quelle que soit sa situation, on peut prendre du plaisir à lire ou à écouter des histoires. Après une saison bien remplie entre compétition, entraînement et démonstration, les adhérents ainsi que les dirigeants du judo club de Cattenom se sont réunis autour d'un barbecue afin de partager des grillades dans la bonne humeur. À cette occasion, un match de football a été organisé sur le stade municipal pour les plus sportifs d'entre eux. Pas de vainqueur, pas de vaincu. Ce qui comptait, c'était de partager les mêmes valeurs qu'au judo, c'est-à-dire convivialité, respect et discipline. Dans le cadre de la future médiathèque, le personnel a été formé sur un outil de gestion informatique qui permettra de faciliter leur travail. Nous mettons en place tout le réseau d'ordinateurs qui va permettre de gérer la bibliothèque, la future médiathèque plutôt. Et de plus, nous sommes en train d'installer tout l'espace multimédia dont les utilisateurs pourront se servir pour faire des recherches pour le collège ou pour d'autres choses. Chaque personne sera référencée sur ordinateur et aura sa carte personnelle lui permettant d'avoir accès à son compte via Internet. Il y a un gain de temps par rapport à tout ce qui est prêt des livres et retour des livres. Et de plus, il y a une grande autonomie puisque les personnes de chez elles pourront faire des réservations, des prolongations de livres. Une personne qui n'a pas fini ses livres dans la durée normale peut faire une prolongation directement de chez elle grâce à l'informatique. Cette formation doit permettre aussi au personnel de stocker toutes les informations multimédia de la médiathèque. Un livre, on ne le prête pas comme on l'achète à la librairie. Il faut lui mettre le code barre, il faut mettre une cote pour qu'on le retrouve et puis il faut mettre une couverture pour qu'il soit protégé. C'est très manuel, là il y a beaucoup d'interventions des bénévoles. L'autre grosse partie, c'est le catalogue. Ça c'est très long aussi puisque ça dure à peu près 5 minutes pour chaque livre. Chaque livre, on dit son nom, le nom de l'auteur, on met toutes les informations qu'on connaît sur chaque livre et comme ça on sait tout ce que la bibliothèque possède comme document. Un gros travail fourni par les salariés et les bénévoles qui doivent informatiser près de 8000 livres, 1000 DVD, 200 CD-ROM et 1200 CD afin de permettre aux Cattenomois de diversifier leurs envies culturelles.